et élu municipal socialiste dans le Val-de-Marne, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. J'ai voté aux primaires de la gauche pour le candidat Benoît Hamon, qui me semble le mieux porter les valeurs du Parti socialiste dans lesquelles je me reconnais. Au-delà de ces valeurs, je considère que la bagarre pour la défense de l'intérêt de la classe ouvrière et de la jeunesse reste aujourd'hui la mère des bagarres. Cette bagarre, chers camarades, nous devons la préparer, l'organiser et la mener pour balayer cette 5e République qui n'a que trop duré au détriment des droits de la classe ouvrière. J'avais espéré qu'un rapprochement entre Hamon et Mélenchon allait nous mettre sur la voie de l'abrogation de la funeste loi El Khomri et de la rupture avec l'Union européenne. La classe ouvrière et la jeunesse n'ont rien à attendre de cette élection présidentielle, car quel que soit le président qui sera élu, ce dernier sera sous la coupe des institutions européennes qui sont elles-mêmes aux antipodes des intérêts de la classe ouvrière. Ces dernières années ont enregistré un véritable arsenal législatif et réglementaire directement inspiré de Bruxelles pour casser l'organisation administrative de la République. Nos communes et nos départements, et donc les citoyens que nous sommes, se voient dépossédés de l'essentiel de leurs prérogatives. Parallèlement, se poursuit l'asphyxie de leurs moyens permettant d'agir, y compris en assumant les responsabilités dont l'État s'est largement déchargé ces dernières décennies. Face à cette politique récurrente de destruction, l'heure est à la résistance et à la reconquête. Le changement que nous appelons de nos voeux ne viendra que du combat de la classe ouvrière et des jeunes, des salariés et des étudiants. Mais pour atteindre notre objectif, chers camarades, nous devons être unis et y aller tous ensemble. Le rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'un jalon posé sur le chemin de la remise en cause de la 5e République et de la rupture avec l'Union européenne. Alors, nous disons aujourd'hui d'ores et déjà au président qui sera élu, de quel bord politique qu'il soit, que la classe ouvrière sera en ordre de marche dès le 8 mai prochain. À bas la 5e République, à bas l'Union européenne et vive la classe ouvrière.